Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Metal Gear Solid 5 sur PS4. Donc aujourd'hui on attaque par une mission secondaire, parce que pour continuer les missions principales, il me conseille d'avoir le lance-roquette, mais j'ai pas encore les ressources pour l'avoir. Il me manque 3 niveaux en recherche et développement, donc on va essayer de choper des gens pour remédier à tout ça. Ok, on arrive. Alors on me demande si je peux faire un live sur Until Dawn. C'est déjà fait, hein. J'ai déjà fini le jeu en live et en rediff. Donc ce n'est pas prévu, je pense pas le refaire. Parce qu'apparemment la replay via loup... Je ne sais pas très bien parler anglais, tout va bien. La replay via loup, je sais pas le dire. Bon. Le fait de refaire le jeu, quoi, n'apporte pas grand chose concrètement. À part le fait de pouvoir sauver... Bon, je veux pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu mon let's play. Mais j'ai pas réussi à sauver tout le monde. Mais à part ça, le jeu est quasiment identique, quoi. Hop. Mais alors du coup, c'est des soldats au pif ou... Bon, pour l'instant, je vois personne. C'est bien ici, pourtant. On va y aller mollo. Je sais pas s'il y a un véhicule ou des mecs planqués. Attendez. Mais je les vois pas. Je ne les vois pas. Ou alors ils sont en hauteur? C'est quoi ce délire? What? What, what, what? Mais ils sont où? Mais... Même sur le radar, on me dit que je suis à côté. Soso, salut. Salut, Eddie. Putain, ça se trouve, je vais tomber nané avec eux. Ça va encore me faire une note de crotte. Mais... Où êtes-vous? Bordel. Oula. J'espère qu'ils sont pas là-dedans. Alors attendez. Non, bon écoutez. On va avancer vers l'avant-poste qu'on voit là-bas. J'ai l'impression qu'il est un peu loin par rapport à la zone, mais c'est pas grave. Salut, hello. Bon. Non, parce que là, je m'éloigne de la zone. Alors, je comprends pas c'est quoi ces zones violettes en fait. J'en sais rien. La mission n'est pas très claire pour le coup là. Prendre des soldats errants de MB01. Bon. Bah on verra. Yo, salut Romain. Déjà il y a un projecteur dès le début. Super. Ouais, mais ils sont en dehors de la zone. Ou alors j'ai pas compris ce qu'est cette zone violette. Bon. Attends, j'ai pas regardé s'il y avait d'autres mecs. Menace. On approche. Putain, je crois qu'on va sortir la boîte en carton. Parce que là, le but en plus, c'est vraiment de les capturer, c'est pas de les abattre. Putain, il revient avec son projecteur. On va attendre un petit peu. Hop, salut Soso. Alors, on me dit, j'ai vu que tu as programmé Assassin's Creed Syndicate. Il a l'air cool. Bah, j'aime bien la saga à la base. Et je pense que... Enfin, le peu que j'ai vu, apparemment, ils ont fait du bon boulot quand même. Puis l'univers a l'air assez intéressant, donc... J'ai assez hâte de découvrir ce que ça donne. Putain, je vais me retrouver nez à nez avec quelqu'un. Pas. Hop, alors en théorie, il n'y a personne devant, donc je peux aller choper le mec sans problème. Non, il y a quelqu'un, j'avais pas vu. Waouh, waouh, waouh. Coucou. Analysis complete. Putain, ils sont même deux, what? Analysis complete. Mais...
Remets-moi le carton. Merci. Alors attendez. Là je pense qu'ils sont trop proches pour que je puisse intervenir efficacement. Ou alors faut que je les endorme tous. Bon. On va essayer d'endormir celui-ci. Putain, c'était pas un headshot ça, mais ils abusent. T'as la crève un petit peu, j'ai un peu le nez bouché. Une petite allergie, je pense. Oh non, non, non. Eh merde. Il faut que le premier s'endorme vite. Vite, vite, vite. Vite. Ah. Allez, bougez votre cul, les deux là. Allez voir ce qui se passe. Et le deuxième, il fait quoi là? Putain. Parce que si je fais ça. Et le deuxième a rien capté. Ça, c'est magique hein, quand même. Bon, donc je vais perdre des points parce que j'ai déclenché le ralenti. Mais j'ai pas déclenché d'alerte. C'est déjà ça. Tu joues sur double écran pour les coms. Bah je joue sur la télé pour bah, pour jouer. Et j'ai le PC juste en dessous pour voir les commentaires. Et le mec il est teubé hein. Il y a deux de ses camarades qui s'endorment devant lui. Et il se casse. Bon bah écoutez. Hein. On a affaire à des intellos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Allez hop. Oh putain. Il voit vraiment rien l'autre. Hein. Oh, il est aveugle. Allez, ramène-toi maintenant. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Mais du coup... Un sniper d'élite. Ah there are never any sightings and only corpses are left behind. The Soviets have already lost a number of officers. You'd best watch your step. Attends, il me parle d'elle pendant les missions secondaires. Qui est, c'est la fille ultra sexy. Qui devient quasiment invisible. Alors, t'as un ou deux écrans de PC. En fait, j'ai deux écrans de PC. Il y a le PC gamer qui enregistre, le PC non gamer qui me montre les commentaires. Et l'écran de télé pour la PS4. Donc j'ai trois écrans d'allumés là en fait. Salut Soso, salut les gens, hello. Bon, le mec là, il m'énerve. Il... Ah, il se retourne, enfin. Bon, c'était pas un headshot. Il va s'endormir dans quelques instants. Ah, salut Solaris. Toujours en infiltration, on essaye. C'est pas très propre, mais ça passe. Je me suis pas encore fait vraiment griller. Hop. Alors j'ai vu un diamant, je pense, au sol. Ok. Alors j'ai pas regardé s'il y a d'autres personnes autour. Hop, on ramasse tout. Tac. Mais du coup, je ne sais même pas si je remplis mes objectifs, là. La mission n'est pas très claire. Bah, extrayer les soldats errants de MB01, mais... Attendez. Éliminer le colonel... Quoi? Ah non, ça c'est l'émission principale. Mais l'émission secondaire. Mais... D'accord, je peux pas regarder l'émission secondaire. Si c'est là-dedans, excusez-moi. Ils se sont dispersés après l'attaque il y a 9 ans, mais traînent encore sur les champs de bataille. Bon alors c'est elle qu'il faut trouver justement. Oh putain, bonjour monsieur. J'ai dit bonjour. Je sais pas d'où il sort, je l'avais même pas capté. Hop, allez, on t'emmène.
Bon alors du coup j'ai pas trop compris ce que je dois faire là concrètement. Ça c'est quoi ça? Métal courant. Alors, faut que je visite les autres zones violettes peut-être. J'ai vu que dalle donc on va peut-être essayer de passer plutôt de ce côté. Allez, on va finir de visiter, il y a sûrement des ressources. Putain, 1600 mètres. C'est loin. Coucou, salut. Voilà, je prends des risques, j'ai pas bien regardé s'il y avait du monde. Allez, on va essayer de le choper. L'interroger un instant peut-être. Ah. Ok. Bon bah on va l'endormir. Mais il nous a indiqué où était le spécialiste. Alors je sais pas trop ce que c'est. Concrètement comme personne. Quelle est sa compétence? Alors on va se mettre dans un carton un instant et regarder si on a eu de nouvelles infos sur la map du coup. Ah ça doit être lui, le spécialiste. Ok. Ah, il y a le point jaune. Ça veut dire que ça fait partie de la mission, sûrement. Bon, on va passer par le A, déjà. Ça, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc ici aussi, apparemment. Soldat soviétique, c'est celui qu'on vient de shooter. Ok. J'entends du bruit. C'est un véhicule? Oui, oula. Alors si tu avais suivi quelques tutos, demande à des gens sur des forums, tu n'aurais sûrement fait un PC moins cher et plus puissant. Ah bah écoute. À l'époque j'avais demandé à une certaine personne, qui m'a relativement mal renseigné au final. Putain, ils sont plusieurs et le camion s'est arrêté, crotte. Et il est où le camion là? Je vois rien dans ma boîte. Je ne vois rien. Bonjour. What? Ah d'accord. Je regarde à l'opposé de là où je voulais aller. Mais on va aller le choper lui. Attendez. Au niveau des notes, il a... On va pas le choper, on va juste l'endormir. Il n'est pas assez talentueux pour nous. Parce que ça sert à rien de cumuler des mecs niveau D ou E. Il vaut mieux commencer à se concentrer sur les mecs niveau C. Allez, go. Alors après on me dit que Squeezie sur Until Dawn il a tué... Quoi? Quoi? Alors j'ai mis la vidéo à regarder plus tard parce que j'ai pas eu le temps de la regarder tout à l'heure. Alors Squeezie a tué quelqu'un dans Until Dawn. Bon moi je me suis foiré mais vraiment juste sur la dernière séquence de fin. Parce que lui il est pas encore à la fin. Hop. Bonjour. Hop, on va l'interroger vite fait, voir s'il a pas autre chose à nous dire. Des diamants. J'entends un bruit là. C'est une tempête qui arrive ou un camion qui bouge? J'en sais rien, on va le planquer. Hop. Allez, va là-dedans toi. Alors, sur le live on me dit, je suis vraiment content de la durée de vie du jeu en tout cas. Je suis à fond depuis une semaine. Et je suis très loin de la fin. Ok, bah ça c'est cool. Ça fait combien de temps que t'as le PC? Ça doit dater... mars, avril de cette année là. Et donc c'est beaucoup trop tôt pour refaire des investissements. Mais pour l'instant ça me permet de faire des enregistrements de bonne qualité. Et de jouer à tous les jeux que je veux. Bon. Alors attendez, le spécialiste, c'est celui qu'on voit au loin en théorie. Et il y avait le premier à arrêter. Mais du coup, le camion est reparti ou pas? Oh putain, ah bah oui, bah il fait jour. Ouais. Donc là maintenant il me voit à 40 mètres. Alors que quand il fait nuit à 25 mètres, il capte rien.
Par contre, ramène-toi vite. S'il te plaît. Salut, bonjour à toi. Ça va me cramer un carton encore. Voilà, je t'endors direct. Hop, je t'embarque. Il avait du C normalement. Et on continue. On va aller choper le spécialiste. Alors après, ça m'étonnerait qu'il soit complètement isolé. Subject on board. Leave the rest to us. Hop, hop, hop. Ah, ça se pousse pas, ça. Donc là, j'avance, je ne vois rien du tout. Je vais peut-être me trouver nez à nez avec quelqu'un. Surtout qu'il fait jour, faudrait que j'aille fumer le cigare, là, pour faire passer le temps. Ce n'est pas bugué du tout, hein. Pourquoi il y a de la musique, là? Qu'est-ce qui se passe? Hop. You have arrived at your destination. Objectif accompli. Quoi? Qu'est-ce que j'ai accompli? Moi, j'ai rien fait du tout. Y'a rien. Mais what? On va rester avec notre arme. Hop, yo, hello. Bon. Est-ce que le spécialiste est tout seul? Non mais, range ton carton. Analysis complete. Il a du C. Et un talent. C'est pas mal. Mais non, putain, pourquoi ça repasse sur les lunettes? Remets-toi sur le carton, merci. Alors attendez, liste secondaire. Non mais ça, j'ai foiré cette mission. Hein. Plateforme recherche et développement. Parce que là où je suis, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Donc il y avait bien un truc tout à l'heure dans le désert. Je ne sais pas quoi, mais il y avait un truc. Alors est-ce qu'il faut y retourner à une heure différente? Je ne sais pas. Parce que chaque zone violette indique une mission secondaire en fait. Apparemment. Bon, en théorie je peux y aller. Sauf si comme par hasard il y a un camion qui arrive. Alors je sais pas si concrètement le camion peut décider par exemple de rouler sur le carton. Ou si un de ces jours les soldats seront directement agressifs en voyant un carton bouger. Pour l'instant c'est pas le cas. Hop. Hop, des diamants. Parfait. Alors je vérifie pas où sont les diamants quand ils me le disent. Mais je pense que ça reste affiché longtemps sur la map. Hop, pour l'instant t'as pas trop attiré l'attention. Oui. L'équipement radio, mais je fais comment pour le détruire? Tu peux le détruire, mais on te dit pas comment faire. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'ici, il n'y a plus de zone violette. Donc ici, j'ai vraiment raté un truc. Hein. On y retournera tout à l'heure. Là, on va enchaîner sur... Non, mais... Mission secondaire, merci. Voilà. C'est en B du coup. Mais c'est la première zone là, j'ai pas trop compris. On va appeler le cheval. Et on va tracer. Les moutons dans le secteur, merci mon gars. Pour cette info. Alors on va descendre là, récupérer quelques fleurs. Et continuer. Hop. On va poser une cage ici. Je sais pas ce qu'on peut trouver dans la zone. Cache, 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 hop. Tac. Hop, repasse là-dessus. Alors. Un bidon. Ça sert à rien le bidon, non. Et donc là, je cherche... Attendez, l'intitulé de la mission, c'est quoi? Chien à la fourrière. Extrayer le prisonnier. Ce serait pas elle, quand même? Parce qu'ils nous ont pas dit qu'elle a été chopée, hein, donc si c'est elle, l'équipe de renseignement, elle est bidon.
Putain, je crois que j'ai pas exploré cet avant-poste. Je suis déjà passé vite fait, enfin, pour traverser seulement. Putain, je sais pas comment c'est foutu. Et par contre, il y avait des mecs là. Il y avait deux mecs ici, ça je m'en rappelle. Je m'étais fait guerriller un peu plus loin. Oh punaise. Et j'ai pas fumé pour arriver à la nuit. Je pense que c'est ce qu'on va faire. J'aurais dû y penser avant. On va retourner vers le camion et fumer un coup. Hop hop hop. Tac, on va dire que là je suis à l'abri. Non, c'est où? C'est où le cigare? C'est là le cigare. Allez, fais-toi plaise. Allez, rendez-vous à 6h du mat. Non? Salut Soso, hello. Non, stop! Mais... Ah non, mais c'est 6h du soir, oh putain. J'ai cru qu'ils nous remettaient le lendemain en pleine journée. Vive l'intérêt du truc. Non, mais c'est bon. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Sauf que moi aussi, je vois moins bien, du coup. Mais ça, c'est pas très très grave. Attends, c'est la même zone? Elle s'étend super loin. Analysis complete. Du D, ouais, c'est pas terrible, il a pas de talent. Moi, je veux aller voir le prisonnier. Et voir si c'est... quiète. Moi, je dis quiète. Alors, attendez, est-ce qu'il est tout seul, lui? Ouh, du C, du B. Ouh là là, monsieur m'intéresse. Reprends ton carton, s'il te plaît. Merci. Alors, j'ai vu personne au... tour. Bonjour, monsieur. Je croyais que t'étais de dos, mon gars. Allez, ramène-toi. Ramène-toi. S'il te plaît. Je vais éviter de cramer le carton. Je vais essayer de lui tirer dessus rapidement. Dès qu'il sera devant nous. Headshot. Hop. Donc je perds des points quand je fais ça. Avec le ralenti. C'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. Mais bon. Tac. Allez, salut. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des ressources, déjà. Comme ça, on ramasse. He's coming too. Roger that. Alors. Où il y a un peu de peuple? Là-haut, j'en ai vu un. Il a du C, ouh, ça m'intéresse. Du C. Ouh, il y a un camion en bout. Hop, il est marqué. Allez, on va attendre un instant, voir ce que fait le camion. Voir s'il trace ou s'il vient, et je crois qu'il vient. Oh, punaise. Bon, je pense pas que la porte ouverte, ça les interpelle. Mais pourquoi ils s'arrêtent là? Ils sont fous. Mais what? Pourquoi il s'arrête là comme par hasard? Pourquoi il vient là comme par hasard? Genre c'est le coup de la porte ouverte? Mais n'importe quoi. Non! Le bug de l'infini! Youpi! Non, blessure reçue! Non! Non! C'est dans une base en plus, je me foire dans une base quoi! Putain! Salut, allez. Je disparais dans la flotte. J'ai jamais essayé. Voilà, cachette ultime. Putain, je pense pas que ça marche. Punaise. J'ai essayé de le choper, mais j'ai pas pensé que son collègue pouvait me voir. Raté, raté, raté. Raté. On me tire dessus. Mais what? Je suis parti, laissez-moi tranquille. Punaise, on va essayer d'attaquer l'autre côté du coup, en attendant. Y'a personne ici pour le moment. Ok. Enemy presence detected. The map has been updated.
Il y a un mec. C'est un sniper. T'as pas qu'il me cartonne. Non, il regarde pas vers moi, je crois. Oh là là. Le fail. De ce côté, il n'y a pas grand monde apparemment. Bon, on va aller choper le mec qui est en haut sur sa tour. Alors niveau note, t'as combien mon gars? D'accord, je peux pas regarder. Merci. Sur le live, on me dit je t'aime. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Bref. Le mec, il a l'air d'être ultra concentré. Je pense qu'on va pouvoir le choper rapidement. Allez, salut! Est-ce qu'on peut saboter les projecteurs ou... Non, on peut s'en servir. Là-bas, ils sont 3. C'est là où j'étais sûrement. Bon. Allez, on descend. Salut. Hello. Mon gars, t'as combien? Il me reste qu'un seul machin, là. Non, mais... Non, c'est juste une double touche. D, c'est pas terrible. Putain, mais c'est sécurisé, là où est le prisonnier, là. Ils ont un peu pu le mettre plutôt dans une cabane merdique. Quoi? Il tire des fusées, mais je suis... Chien la fourrière, arrivé au point. Ok. Est-ce que je peux monter là? Mais chien la fourrière. Oui, dans mes Diamond Dogs, c'est par rapport à un de vos collègues relativement important, j'espère. Hop. Voilà, escalade, merci. Ouh. Attendez, ça rejoint ou pas du tout là? Oh là là, non, ça rejoint pas, et merde. Ah, c'est des malins. Hein. Mais ça rejoint en contrebas, ok. Non, 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 va pas mourir comme une crotte, s'il te plaît. Arrêtez de tirer votre fusée éclairante, là, ça me stresse. Ouais. Hop. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Stratégie comme Call of? Non, non, c'est pas conseillé, dès que tu te fais griller, tu perds des points. Tu utilises un ralenti aussi, tu perds des points. Dès que tu te fais toucher, tu perds des points. Faut vraiment essayer d'éliminer tout le monde discrètement. Donc là, de ce côté, pour l'instant, j'en ai marqué qu'un seul. C'est pas top du tout. Là, pour l'instant, je vois rien. On va essayer d'escalader un peu la structure. Si c'est possible. Ah, une tempête de sable, c'est parfait ça. Là, il y a moyen d'escalader. Hop. Mais... Monte. Oh putain, il y a un mec. Bon, s'il est tout seul, on va le choper au corps à corps. Putain, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, mais... Oh putain, mais d'où? Le mec, il est de dos, il se retourne, comme par hasard. Ça va encore me cramer un carton. Ou pas, je vais me le faire au gun. Putain. Surprise. Good night. Ah, ils repartent. Le camion repart, c'est parfait. Alors, niveau note, t'as combien toi? D, c'est pourri, salut. Tu m'intéresses pas. Alors, je pense que l'entrée est de ce côté. Ouais, mais je vois rien non plus. Il y a un mec au-dessus et merde. Ça devrait quand même passer avec la tempête de sable. Oh putain, ils sont deux. What? Nya, demi-tour. Ou alors, putain, ouais, j'ai pas de silencieux sur mon sniper. Je sais même pas si c'est possible d'avoir un silencieux sur un sniper. Mais là, ils sont deux en bas. Ça va pas, faut que je contourne. Y'a pas un truc à escalader quelque part? Alors oui, je suis sur Metal Gear Solid 5. Alors après oui, pour ton bug sur Steam,
va voir sur jeuxvideo.com, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un site avec une grosse communauté qui peut te répondre assez vite et bien parfois. Analysis complete. Du C, ouh, et un talent, monsieur. Pourquoi ça me change l'item, bordel, merci. Changer affiche. Quoi? D'accord, on peut mettre des stickers. Ok, c'est trop kawaii. Pokémon Go annoncé. Oh mon dieu. Ça fait tellement longtemps moi, que j'ai lâché Pokémon. J'ai essayé de me refaire un Pokémon sur 3DS. Je crois que c'était le Black. J'ai lâché quoi. J'ai lâché. D'où c'était pas un headshot. Mais... N'importe quoi. Pourquoi sur jeuxvideo.com? Parce que justement, il y a une grande communauté. Si tu poses une question, souvent, ils te répondent assez rapidement, quoi. Sur les forums. C'est pour ça que je te dis d'aller là-bas. Il y a beaucoup de monde qui passe, donc... si c'est un problème connu, il y a moyen que tu aies une réponse assez rapidement. Bon, tu t'endors, mon gars, ou pas? Est-ce que tu peux me donner ton compte PS4? Non, je ne prends plus les demandes d'amis parce que j'étais arrivé à plus de 500. C'est pas gérable. Donc j'ai éliminé une grande partie des gens et je suis redescendu à 50. Parce que j'ai accepté tout le monde, mais c'est trop. C'est trop et au final, ça sert à rien. Donc, par contre, j'attends la prochaine mise à jour qui normalement met en place un système de groupe et je verrai si je peux créer un groupe Sorator. Comme ça, vous pourrez rejoindre mes parties sans qu'on soit amis PSN. Bon, il s'endort un jour ou pas, le monsieur, là? Ou alors son casque a absorbé le... la fléchette? What the fuck? Voilà. Merci. Putain, on est obligé de jouer discrètement, là. Je pense que si tu te fais griller, t'es vraiment dans le caca, là, une fois à l'intérieur. Putain, y a du barbelé. Nya, rien vu, rien vu. Ça vient d'où? D'en haut, d'en bas? Putain. Bon, on va bouger. J'ai pas vu où c'était, j'ai l'impression que ça vient d'en haut. Si c'est le cas, ça tombe mal. Sortez-moi d'ici. Ah! C'est une voix de femme ou une voix d'homme? Ah, et comme par hasard, hein. Il y a de quoi ramper, bien entendu. C'est pratique. Bon. Quelqu'un. Oui, j'arrive. Je ne sais pas où vous êtes. Mais j'arrive. Alors du coup, les communications, je pense que c'est en fait les paraboles à péter. Oh putain. Pourquoi il y a des mecs qui courent? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il faut que je me concentre. Pas faire de la merde. Ah mais on est pas dans le bâtiment, merde, on passe juste de l'autre côté. Je crois qu'on ressort carrément en fait. Ouais d'accord, merci. Salut. Oh là là. On va y arriver. Petit à petit. Ce qu'il y a c'est que j'ai aucune visibilité quasiment sur ce qui se passe en haut. Pourquoi il y a du mouvement là? Alors, est-ce que les mecs rentrent ou sortent? Je ne sais pas trop. Est-ce que je prends le risque d'y aller en mode... bourrin? Putain, allez. Nya! Sa mère l'hypopète. Qui m'a vu? Personne m'a vu. Chut. Il n'y a pas de contact. Taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous, on va par là. Putain. Là, ils vont me balancer des grenades, je vais me faire tuer. GG, j'ai envie de dire. Et j'ai marqué personne à l'intérieur, quoi. Oh là là. C'est le feu. Analysis complete. Concrètement, je peux faire un headshot, là. Non, non. Putain. Concrètement, je peux rien faire du tout. Casse-toi. Alors attendez. Ils sont pas que deux à l'intérieur quand même. Ça me paraît bizarre ça.
Bon, un. On a assez rampé pour aujourd'hui. Hop. Ça, on ramasse déjà. Ramasse. Merci. D'accord. Ça se fait tout seul apparemment. C'est long, mais ça se fait tout seul. C'est pas là qu'il est le prisonnier, non? Pas du tout. Ah, il y a plein de ressources. Ça, c'est cool. Hop. T'as quelle arme, Soso? J'ai pas développé beaucoup d'armes. Hein. À part le tranquillisant que j'ai amélioré. J'ai un sniper. Mais le gun, c'est celui de base. Je sais pas s'il y a mieux, je pense que oui. Alors, je crois que je vois une cassette de l'autre côté. Hop, parfait. Take on me. C'est pas une musique, ça? Ouais, mais bon, la musique sur YouTube, c'est pas conseillé. Putain, les mecs, ils... Bon. Je sais pas ce qu'ils recherchent, mais ils ont du mal à être efficaces. Hein. Hop, t'as quelque chose? Non, vous avez rien du tout. Hop, on va... Attends. Quoi? Je peux pas monter, là? Bon, j'ai vu une échelle par là-bas. Tiens, il y avait encore des ressources. Tac. Salut tout le monde. Bonjour. Tac, on va essayer de passer par là. Juste avant, je vais voir ce qu'il y a de ce côté. Ça, je peux rien faire. Non, ok. Dommage, parce que là, éteindre la lumière, ça aurait été plutôt efficace, je pense. Hein. J'ai pas trouvé l'accès. On va monter. Au lieu de ramper. Putain, je vois pas s'il y a quelqu'un en haut. Putain, il s'excite. Mais calmez-vous. Et puis je suis devant les échelles, donc ça veut dire que si quelqu'un veut prendre l'échelle. Oh putain. Hop. Il y en a un qui m'a vu. J'ai le silencieux, je peux l'abattre. Attendez, il n'y a personne d'autre. Avec le silencieux, je vais pouvoir le descendre, ni vu ni connu. Il n'y a personne autour. Bon, bah, on a fait du kill. Hein. Alors attendez, tant que je suis là... Hop, c'est talent, ok. T'as, par contre, je peux plus embarquer les gens, je crois. Crotte, crotte, crotte. Salut, du coup, c'est quand le live sur GTA? C'était hier. Entre 14h et 17h. On en refera sûrement... Je ne sais pas quand, mais on en refera. Et les rediffs se feront au fur et à mesure. Alors, attendez. On va essayer d'aller tuer les deux qui sont là-bas. Faut qu'on fasse du ménage, là. Ça va pas. Hop, diamant. Donc je marche dans la lumière au lieu de ramper. Dans l'ombre. Alors là, les deux, ils sont à côté, mais ils se regardent pas l'un l'autre. Ah, ils sont même trois. Oh my god. Alors, faut pas que je me rate, hein, par contre, sur le tir. Non, mais... Attends, hop. Allez, élimination efficace. Efficace et pas cher. Non! Putain! Pourquoi il est tombé, ce couillon? Mais non! Et le mec, il se fait headshot, il gueule en tombant, alors qu'il vient de se prendre une balle dans la tête. Mais n'importe quoi. Et ça a alerté les autres. Quoi, Zoya 4? Oh putain. Oh my god! N'allez pas voir le carton suspect. Restez où vous êtes. Putain.
Je fais comment? Je sais pas. Putain, ils sont trois à regarder dans ma direction là. 4. My fucking god. Oh putain. Je vais pas avoir le choix. Mais chope-le, couillon. Contact, bah oui, contact. Mais pas comme ça, putain. Mais qu'il est con. Putain, je voulais qu'il... Le garde, oh putain, c'est la grosse merde. Oh my fucking god, allez. Je reste pas découvert. Merde, 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 merde. Hop, on prend ça, on a que ça à faire. Non, réserve, merci. Ah putain, il me voit toujours. Eh merde. Est-ce qu'ils m'ont vu jusque là? Je ne sais pas. Putain, fais chier. Là, j'avais pas le choix. Putain, je sais pas. J'ai enlevé le silencieux en plus. Attendez, faut que je le remette. Je sais pas s'il me voit là. S'il me voit, je suis dans la merde, hein. Oh putain. Là-bas, non, ferme ta bouche. Voilà. Je l'ai trouvé, non. Oh putain. Bon. Merde. Merde, merde, merde. Ça va péter. Salut. Je me casse. Oh putain, mais laisse tomber. Non, mais là c'est la guerre. Allez, salut. Putain de merde. Putain de merde. Non, non, là le contrôle passe là-dedans, merci. Oh bordel. Sortez-moi d'ici. Oui, bah attends, mon gars, ou qui est, je sais pas qui c'est. Tu vois pas que c'est la cata là? C'est la grosse cata. Oh putain de merde. Où j'y vais? Attendez, attendez, attendez. Ah non! 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 Je voulais balancer un fumigène, mais bon. Il aurait fallu que je le fasse plus tôt. Et vu qu'ils sont deux, je me barre. Et par ici quoi? Par ici. L'autre qui dit encore sortez-moi d'ici, qui arrête pas depuis tout à l'heure là. Putain, allez. Il m'a pas bien vu. Oh putain. Vite. Ah oui, mais t'es pas du tout quiète, toi. T'es pas du tout sexy. What? Funaise. Oui, mon gars, attends. Non, mais c'est ça, ils l'ont pas chopé, la fille. Je sais pas comment on la récupère. Salut, hello. Bon, mon gars, il veut pas venir. On va essayer de le faire venir. Non, il capte pas du tout, il s'en bat la race, ok. Ah. Vas-y, dis rien à la radio et viens voir directement, s'il te plaît. Allez! Bouge ton cul. Bouge ton popotin. Hop. Allez, on a le temps d'interroger. Où sont les prisonniers? Oui, non, mais on l'a trouvé le prisonnier maintenant, ça sert à rien. C'est avant qu'il fallait me le dire, bordel. Quelqu'un arrive. Non. Non, t'as rien vu. C'était une illusion. Oh putain. Oh merde. Merde, je pensais que c'était... Oh non. Non, non, non. Bon bah, hein, au point où on en est, on va se mettre là et... Putain. Putain.
Voilà, faut que ça bouge, allez, salut. Oh putain. Putain de merde. Putain de merde. Ah merde. Putain. Laissez-moi regagner de la vie là. Ça fume ou ça fume pas là? Putain. C'est pas vraiment l'approche que je voulais, bordel. Bon, toi déjà, arrêtez de gesticuler là. Merci. Voilà. Putain, c'est l'occasion là, ils voient rien les mecs. Bon, je vois rien non plus, mais... Putain. Ah merde, ils m'ont vu. Merde. Bon, j'espère qu'ils vont pas aller abattre le prisonnier. Mais c'est une cata là, oh là là. Catastrophe. Catastrophe. Non, faut qu'on s'écarte. Alors apparemment ils sont plus trop nombreux. T'es en mode Rambo. Mais ouais non mais. On est dans Metal Gear bordel. Où est-ce que tu te caches? DTC mon gars. C'est le feu. Bon. En tout cas ils sont gentils, ils vont pas battre le prisonnier, c'est déjà ça. Allez, rampe plus vite, bordel, Snake. Ennemi perdu de vue, mais pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Putain, faut que je ressors. Ah, j'aurais dû sortir directement, j'aurais pu en choper un là. Quoi par ici? Taisez-vous. Y'a rien du tout par ici, mince. L'échelle est par là. Hop. T'assures? Non. Pour bien assurer dans ce jeu, faut pas se faire repérer. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. Fuck, hein. Voilà, je suis un carton. Putain de merde. Je te tiens, non, tu te... Ah, je me suis encore fait toucher. Putain, c'est une catastrophe. Il y en a à 20 mètres, là. Et avec le soleil, on voit que dalle. Alors, j'aimerais bien essayer de sniper... Les deux qui sont loin, mais bon, il y en a un qui... Oh putain. Je sais pas s'ils m'ont vu là, clairement. Voilà, sois débile. Merci. S'ils balancent pas de grenades et qu'ils viennent un par un, c'est bon. Et merde, quoi, d'où je prends des dégâts, là? Mais... Oh putain, je vais crever, je vais crever. Je vais crever. Je vais crever. Mais... Et merde. Fais chier.